Bonjour à tous. Comment allez-vous? Eh bien, Brigitte et moi, nous allons vous présenter un tour qui vient de la firme de Jean-Pierre Vallarino, car il a sorti, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, un effet qui est un classique à la base, mais avec son savoir, eh bien, il a fait un prodige, un miracle. Tu sais de quoi je parle? Non, pas du tout. Tu l'as jamais vu en plus? Non. Alors, un portefeuille, donc je te montre, un portefeuille, d'accord, avec une enveloppe rouge. Oui, j'ai vu. D'accord? Oui. Ce que je voudrais, c'est que tu vas faire fonctionner ton imagination. D'accord. D'accord? Bien, dans cette enveloppe, je vais la laisser ici, d'accord? Tu vas imaginer que sur un tableau blanc, oui, il y a quatre dames. Oui. D'accord? Oui. Et parmi ces dames, tu vas en choisir une. Alors, je t'influence pas, ça peut être la pique, cœur, trèfle, carreau. Est-ce que ton choix est fait? Oui, je vais dire la dame de cœur. Au hasard? Au hasard, oui. Alors, je te laisse le choix de changer. Non, non, je reste avec la dame de cœur. La dame de cœur, tu veux, t'es sûr? Oui. Très bien, alors regarde bien. Je n'ai plus besoin du portefeuille, d'accord? Dans cette enveloppe, je vais l'ouvrir lentement. J'ai quoi d'après toi? Non, me dis pas que c'est la dame de cœur. Non, je n'ai pas la dame de cœur, j'ai des cartes. D'accord. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres cartes à l'intérieur? On montre bien. Non, là, l'enveloppe est vide. Hein, d'accord. Teste. Donc, on s'en débarrasse. D'accord. Des cartes, d'accord? D'accord. Ordinaire. Et tu as dit la dame de cœur? Oui, oui. Figure-toi, avant de commencer les faits, j'avais fait ma prédiction. D'accord. Et je savais que tu allais choisir la dame de cœur. Et je vous le prouve. Regardez, si j'étale, la dame de cœur est face en l'air. C'est bluffant. Et j'étais tellement sûr que tu allais choisir la dame de cœur que, figure-toi, je l'ai mis dans un dos différent. Ah mais carrément. J'étais sûr. Vraiment, hein, la dame de cœur. Ça, c'est important de... Et non seulement j'étais sûr, mais c'était inévitable que tu la choisisses. Ah bon? Et tu sais pourquoi? Non. Eh ben, je me suis fait le plaisir de ne pas mettre d'autres dames. Ici, ah ouais, que des cartes blanches. Ah ouais, franchement. Et tu peux tout examiner. Ah ben je vois, hein, y a rien à dire. Hein. En plus, c'est la seule à avoir un dos bleu. Franchement, c'est bluffant. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre pour l'idée qu'il a eue. C'est un classique à la base. Hein. C'est un classique que beaucoup de magiciens connaissent. Mais avec le principe qu'il a rajouté, les petites subtilités, franchement, je lui dis bravo, parce que ça peut être fait entouré, partout, en cocktail, debout, assis. C'est génial. Franchement, c'est un tour fabuleux. Voilà, je tenais à le faire. Et en fait, l'idée, je l'avais depuis longtemps, parce que quand il a sorti son tour, moi, j'ai regardé la première vidéo, et je l'avais mis de côté, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais en plus, et qui est sorti il y a semaine dernière, il me semble, une autre vidéo qu'il a mis en ligne. Et en fait, j'ai fait un cocktail des deux et j'ai sorti ça. Voilà, merci à vous, merci à tous. Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis. Ciao.